Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes jeudi et il est 14h17. Donc du coup, je vous prends un petit peu, mais je suis en train de débarrasser. Mathieu a commencé la vaisselle. Bon, il a pas fini, ça le saoule. Mais bon, c'est un bon début, il a commencé. Et là, moi, du coup, je vous ai montré. Donc j'ai déjà dessiné le Père Noël à la peinture noire. Je vais laisser sécher avant de mettre les couleurs. Bon, là, je suis en train de débarrasser et je vais tout ranger parce que il y a le bordel. Mais je voulais vous faire un petit coucou et je vais certainement vous filmer un petit peu le nettoyage, le rangement et tout ça. J'ai dit à Camille de venir chercher sa couette. Et voilà, donc je vais me motiver. Donc ce matin, on s'est levé en retard. Donc ça fait que Alexis a raté le bus et voilà. Donc je l'ai gardé à la maison. Et Camille, on s'est réveillé à 8h35 et on partait à 9h. On a eu 20-25 minutes pour s'habiller, aller aux toilettes et partir la ramener au lycée. Je l'ai récupérée à 12h20. Et là, on s'active parce que j'en ai marre du bordel, clairement. Voilà. Oui, mon cœur. Hein? J'ai des toilettes dans ma chambre et j'ai aussi la salle de bain dans ma chambre. Ah bon? D'accord. Donc, ranger tout ça. Et nettoyer la vaisselle. Ici, bon, j'ai commencé à ranger comme je vous ai dit, mais il faut que je range. Bah, Camille, elle range sa couette. Et moi, j'ai des bacs à jouer là, à ranger. Voilà. Objectif, ranger à la maison. Ça sera super. Bon, allez, c'est parti. Coucou, il fait noir. Il est 17h39, on est dans le noir complet. On vient de sortir de Leclerc avec Camille. Est-ce que je les ai pris aujourd'hui? Savoir vers quelle heure elle va passer, et comme ça, au pire des cas, on va vous faire le calendrier de l'avant avant. Et puis après, je vous reprendrai au soir comme d'habitude. Le match commence à quelle heure? 8h. Oh, c'est beau! Et après, c'est le week-end. Je suis KO. Donc
Il y a ton nouveau cadeau. Recoucou, comme par là. Ah, ton cadeau. Il est l'heure du... Ouais, c'est encore plus petit. Calendrier de l'avant, c'est une pièce de deux. À chaque fois que ça augmente. Hein. Nana, tu commences. C'est celui-là, Nana, je crois. Ah, t'as des nouilles. Tu commences. T'as des nouilles. Nana, nani, nano. On dirait vraiment des nouilles. Non, je pense que c'est un fromage de chèvre. J'ai dit du coup dans le vlog d'hier, bah là je vais seulement enlever Pauline, que les pâtes pesto c'était dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Dit, ça sert à rien de les mais acheter. Je les ai mangés, je ne gaspille pas. Ouais. Avec lui, il n'y a pas eu du tout. Mais c'est pas bon. C'est quoi? C'est quoi? Vas-y, wesh, c'est quoi? Ah, de la pâte à prout. La pâte à modeler et un Kinder pour Nono. C'est quoi pas? Allez, à Stella. Non, ça allait. Elle est trop pressée. Tout le monde lui dit Stella, elle est trop marrante. Allez, à Stella. Regarde, la vanne. C'est à Stella. Il est où le chat? Regarde, la vanne, il passe son permis, Alex. Alex, il est comme ça. Stella, il est où le chat? Stella, elle est pressée. Elle est pressée, la ancienne. Elle fait ton cadeau, ma fille. À deux minutes. Elle se dit, ouais, mais tout le monde y déballe. Ça va bien, Stella. T'aimes bien? C'est quoi? Tu peux le manger, chérie? Alexis, tu peux savoir ce que t'as eu si on voit. Il faut le dévoiler. Ah. Un Kinder Joy. Un Kinder Joy, Camille. C'est lui. Un Kinder Joy. C'est le premier qui me. Super, regardez! Allez, Mathieu, un Kinder Joy. Toi, j'ai mon bonhomme qui me marque. J'hésite. Maman, un Kinder Joy. Je peux l'ouvrir le mien ça aussi. Ça aurait été vraiment drôle que tu me fasses un vrai. Quoi? Ah, toi, c'est lui, ça va. Kinder Joy, ça va, c'est trop bon. Ah, papa. Oh, un fromage. Qu'est-ce qu'il va avoir? T'es obligé. Non, ça, c'est le mien, celui-là. C'est là. Attends, tu vas ouvrir ce fromage à pâte molle. Assieds-toi. Viens là, papa. Non, j'en veux un morceau, s'il te plaît. Si t'en veux un morceau, c'est de la tome. Moi aussi, je veux bien un morceau. C'est pas ça. Bah, tu verras bien. Bah, si t'en veux un morceau, c'est de la tome. Un morceau. Voilà. Si t'en veux un morceau, c'est que c'est de la tome. C'est trop bon de la tome. Ben bah ouais, mais c'est con, c'est la mienne. Bah, je m'en fous. Moi, je vais avoir un morceau de ton Kinder. Ok, vas-y. Okay, si tu veux, okay, je vais avoir la couper. On va vous garder un bout. En fait, si. Tiens, on fait un champ. Vas-y. Ah non, je suis vraiment le seul qui. Non. Tu t'es fait avoir. C'est là. C'est là, elle va pouvoir ouvrir son cadeau. Elle doit dire le mien, il est tout petit. Je suis le seul qui veut pas son fromage. C'est compliqué, en fromage, il n'y a pas grand chose. Mais attends. Bah, tu t'aurais pu nous prendre du camembert. J'en avais dernière, mais après. Au pire, tu peux goûter. T'aurais pu. Ah, t'aurais pu prendre. J'en ai quand même trouvé. C'est bien. Attends, 1, 2, 3. 4, 5, 6. J'en ai quand même trouvé 6 pour toi aujourd'hui. Le fromage. Non, pas le fromage. Non, mais t'aurais dû me prendre du camembert. Ils ont eu, elle a eu des. Des petits. Bisous. Ouais, ils sont, les trois ils sont là. Ah, adieu. Ah, bah normal, elle a vu la bouffe du chien. Ah, mais c'est normal. C'est parce qu'ils n'ont pas encore mangé. Ouvre le pas, hein, parce qu'il y en a à l'ouvert là-bas. C'est ça, t'aimes bien? C'est des bonbons à poil, bœuf. C'est des bonbons à poil. C'est boule de poil. C'est ça, Kelma. Kelma, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va voler ça. C'est ça qu'elle veut. C'est certain. Elle va le voler, elle. C'est quand t'allais goûter. Ça pue. Non, ça sent fort. Je croyais que t'allais goûter. Mmh. T'allais faire ça. Mon jouet, il s'est ouvert direct. Je veux pas lui prendre. Ah, je crois que c'est celui qu'elle a. Surtout qu'elle en a pas beaucoup. Maman, bah ouais. Bah, elle en a eu trop. Hein. D'habitude, elle en a qu'un. Maman, bah, t'inquiète, elle en a déjà au deuxième. Maman, oh. J'ai pas la tête. Quoi, t'as pas la tête? J'ai perdu la tête. Je sais pas la chanson. Non, c'est j'ai juste une. Non, j'ai vraiment perdu. T'inquiète, elle aime bien. Hein. Oh merde, c'est pas bon. Je prends le Kinder avant. J'ai trouvé ma tête. Ah non, j'ai dit. Là, mon jouet. Et Alex, il y a eu quoi? Si vous l'avez un. C'est encore les trucs de voiture, je sais pas. Si vous avez un personnage, donnez-le moi. Il m'en manque qu'un. Oh. Pourquoi tu. Il y a une collègue, faut que tu. Non, c'est pour les chaussures. Le papier cadeau. Kenmo, t'es devant l'écran. Sur les chaussures, regarde. Ouais, sur les lacets. Ouais, c'est les trucs de lacets. J'en ai jeté plein à la poubelle. Ouais, j'en ai jeté plein. Il y en a. Camille, regarde les bonhommes. 3, 4, 5. Il m'en manque qu'un. Il y a les 5 bonhommes là. Ah, si c'est le même paquet, c'est donc qu'il a eu le bonhomme. Je crois. Lui, il l'aura pas. Ils étaient dans le même paquet.
Il y en a qu'un bonhomme. Moi, c'est possible. Il manque lui, je crois. C'est qui te manque? Je sais plus, je crois que c'est lui. Ah non. Toi, tu m'as donné le. Parce qu'en fait, j'ai même pas un bonhomme. Ah non, je te dis, c'est le même paquet. En fait, c'est toujours les mêmes jouets, j'ai l'impression. Hein? C'est toujours les mêmes jouets dedans. Je change pas, là. Tiens. Non, ça, c'est lui, le gros. Ça, c'est moi, par contre. Tu vois bien qu'il y a des. Elle a un chapeau. Tu sais pas? C'est lui, j'ai une petite casquette. Oh merde! Ah non! Je voulais la faire voir. Un chapeau. En tout cas, Kenma, elle adore le jouet qu'ils ont eu hier. Oh non, maman, t'es nulle. Le petit bruit, là. Je l'ai déjà. C'est vrai. Elle regarde. Elle le laisse un moment. Ah ouais, t'adores le jouet, toi. On va manger les fifis. Ouais. On va manger les fifis. On va manger. Oh. Fais attention à sa nourriture. On va manger. De quoi? Pas qu'elle revomisse dans mon lit. Ben, je sais, elle a dû manger des cochonneries. Elle a volé des boulettes hier. Et j'ai encore retrouvé, t'imagines là, j'ai passé l'aspirateur et j'ai retrouvé quoi encore en dessous du canapé? Une frite. Une boule fromage qu'elle a volée dans la poubelle. Wow. Ah, ça date en plus. Non, ça date pas bien. J'ai dit une frite. Non, elle a volé une boule fromage. T'as pensé à quoi, Camille? Bon, allez, rien. Rien. Les calendriers de l'avant et je vous reprends. Tout ouais, à l'heure. Une frite, ouais. Re-coucou, il est 20h38, je crois. Je viens de regarder. 20h39. Voilà. Bon, du coup, je vous avais dit que j'avais débarrassé tout le bol. Bon, là, j'ai juste la vaisselle, mais on verra demain. Tout le bol est rangé, propre. Donc, on a mangé. Je suis avec ma fifi. On a été faire pipi, hein, ma grosse. Bon, oui, on était faire pipi. On va aller faire de dos. Elle est fatiguée. On va aller faire de dos, ma fille. Comme ça, moi, je vais m'installer dans mon lit, même si je dors pas tout de suite, mais ça va faire du bien. On remonte, dormir en haut. Et en fait, je dormais en bas depuis un moment, parce que je vous ai dit, je m'étouffais la nuit, en fait. Donc, je dormais mieux en bas. Mais bon, là, ça va beaucoup mieux, donc on va essayer de redormir dans la chambre, parce que bon, c'est chiant, ça fout le bordel dans les canapés, dans le salon. C'est pénible. C'est mieux pour aller aux toilettes, on est à côté, mais c'est pénible quand même, quoi. Au moins, le matin, je pourrais, voilà, déjà... Si j'ai des choses à faire, je pourrais faire tranquillement. Tandis que là, si je veux pas réveiller mail, et puis voilà, tous les canapés ils sont collés, il y a toutes les couettes. Voilà, on va monter se coucher. Ça serait bien. Je vais débrancher toutes les lumières après, parce que j'ai tout branché. Regardez, j'ai fait la crapette. Je me suis foutu de l'œuf, à mon avis, je sais pas. J'ai fait la crapette. Voilà, bon, demain, dernière journée pour l'école. Après, c'est le week-end, enfin... Même Chouchou. Il restera une semaine d'école avant les vacances. Et Chouchou, il lui restera 2 semaines avant d'avoir 1 semaine de congé. Donc, ça sera cool. Bon, malgré qu'on sait que ça va passer vite, mais c'est pas grave. Ça sera cool. Camille, elle a, enfin, j'ai reçu un message. Vous savez, là où Camille doit faire son stage. Et on, bon, c'est une amie, en fait. Et elle m'a dit que elle était en congé la dernière semaine de janvier. Et Camille, elle commence normalement son stage... la dernière semaine de janvier. Et du coup, bah, elle a dû demander au prof ce qu'elle devait faire. Bon, elle devait voir avec sa prof principale, mais elle est absente. Donc, elle a demandé quand même à 2 de ses profs. Et ils lui ont dit, à mon avis, tu vas devoir chercher un autre stage juste pour la semaine, là, en fait. Parce qu'elle ne peut pas rester, du coup, 1 semaine à rien faire, en fait. Donc, bah, c'est compliqué parce qu'elle avait déjà son stage dès le début, dès la rentrée. Et puis là, il va falloir trouver un autre stage, du coup, pour la semaine, là. Après les 2 autres semaines, elle pourra les faire avec elle, il n'y a pas de problème, mais du coup, il faut trouver pour la semaine là. Et elle avait même, je vous avais dit, elle avait même normalement trouvé son 2e stage et tout. Elle avait rendu ses conventions à la mairie pour travailler, pour faire son stage à la cantine, vous savez, de l'école. Et ils lui ont dit, bah, on vous répondra, c'est pour le mois de juin. Et on lui a dit, vous aurez une réponse, t'auras une réponse que avril-mai. Mais bon, d'ici là, imaginez qu'ils refusent. C'est un peu embêtant, quoi. Donc on va voir si on cherche pas ailleurs quand même, en fait, pour son 2e stage. Mais là, du coup, faut trouver pour le 1er stage. Et c'est fin janvier, donc c'est dans 1 mois et demi. Ça va être chaud pour trouver un stage d'1 semaine.
Donc faut qu'elle voit pour qu'il lui donne certainement des conventions pour la semaine là. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, je sais pas si je fais quelques calendriers de l'avant avant de monter me coucher. Camille elle est montée dans sa chambre déjà et bon, elle joue à Minecraft. Mathieu il est parti prendre une douche. Alexis il est dans sa chambre aussi. Christophe il vient de monter avec Mimi. Et après Stella elle va monter avec moi. Elle va être contente de retrouver le lit aussi. Voilà. Bon, je sais pas si j'emballe parce que déjà, j'avais racheté un truc à Christophe, mais qui doit être au frais quand même. S'il passe par là, il va savoir de quoi je parle, mais c'est pas grave. Ah ouais, parce que là, il est en train de faire la gueule le truc. Je vais le mettre au frais. Je vais le cacher au frigo. Au pire des cas, même s'il le voit, il saura pas quand il l'aura, mais. Parce que le truc là, il commence à faire la gueule dans le placard. Il fait la gueule. Oui, oui, oui. Hop, on va le mettre en dessous des trucs. On va essayer de le cacher. Hop. Hop. Ouais, bon, ça se voit, mais c'est pas grave. Écoutez. Soit j'ai pris d'autres choses qui ne sait pas. Donc. Je vais peut-être emballer quelques trucs quand même. Au moins, ça m'avance. Malgré que, regardez ça. Là, il y a le sac complet et il y en a quelques-uns dans celui-là, du coup. Mais c'est beaucoup, en fait. Hein. Je vous jure, et j'en ai encore beaucoup à emballer. Presque, peut-être plus de la moitié encore à emballer. C'est chaud, quand même. C'est chaud, chaud. Ah là là. Bon. Du coup, ma maison est nickel. Enfin, le bas. Bon, il faut que je passe un coup de serpillière. Je veux dire, tout y est rangé. Là, vous allez juste voir que j'ai ma vaisselle, mais je la ferai demain, comme je vous ai dit. Mais sinon, franchement, tout y est rangé. Et j'ai juste mon sèche-linge que je vous ai dit, qui va devoir monter dans le dressing, mais il faut que je fasse la place. Mais voilà, sinon, tout y est nickel. Je remets un petit peu en place parce que ils adorent prendre mes oreillers. Voilà, là-bas, il n'y a rien qui traîne, normalement. J'ai rangé les manteaux. Oui, regardez, il y a un petit chat. Dodo, voilà, ça fait du bien quand même que sa maison elle est rangée, d'avoir dormi un peu plus longtemps, de vous voyez un peu de maquillage et tout, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, je vais sortir la liste de mon jean. Ah, j'ai mal au bras. Mon stylo, je l'ai foutu où tout à l'heure? Je crois que je l'ai foutu dans le truc. Je vais prendre ma liste et je vais certainement emballer quelques trucs. Mais je pense que je vais pas vous garder pour pas tout vous spoiler non plus. Quoi. Alors, j'ai racheté des trucs à Christophe. Donc demain c'est bon. Le 10 c'est bon. Le 11 c'est bon. Le 12 c'est bon. Le 13 c'est bon. Le 14 c'est bon. Le 15 c'est bon. Le 16 c'est bon. Le 17 je pourrais mettre ça, le 18 c'est bon, le 19 c'est bon, il va m'en manquer 1, 2, 4, il va m'en manquer 4 petits cadeaux pour Chouchou. Stella et les Chipettes elles ont tout. Mel du coup il m'en manque combien? Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il m'en manque 10 quand même. Alexis, j'ai tout. Camille, j'ai tout. Et Mathieu, il va me manquer. Demain, c'est ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais racheter 2 trucs. Ouais, je vais repris 2 trucs. Donc, je vais peut-être pouvoir changer un là. Donc, il m'en manquerait. Attendez, il m'en manque. Non, de base, il m'en manque 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 6 ou 7, mais j'en ai racheté 2. Donc il va m'en manquer, ouais, 5. Donc ça va encore. Et puis après, ben, Camille, pour moi, je crois qu'il lui en manque quelques-uns. Et puis voilà, on est pas mal. On est pas mal. Mais il faut emballer.
C'est plus Mel qui est compliqué, mais là aujourd'hui, elle a eu sa pâte à modeler, elle l'a pas ouvert. Hein. Mais elle a eu Kinder, elle était contente. Elle mange pas trop bonbons ni de chocolat. Et comme ça faisait longtemps qu'elle avait pas mangé à Kinder, bah, elle s'est régalée, puis elle était contente. Moi, j'ai même pas encore mangé le mien. Je vais manger le mien après, tiens. Même ici, hein. Il y avait un bordel ici. Bon, là, il y a encore quelques papiers à trier, mais c'est parce que je dois appeler l'hôpital et tout. Donc voilà, mais sinon, c'est rangé. Du coup, mon linge, il atterrit ici. Parce que là-bas, en fait, il gênait Mel quand elle passait et tout. Puis il y a la cuisine. Donc bon, au moins, il sèche plus vite quand même. Là, aujourd'hui, bah, d'ailleurs, j'ai une bâtée à pendre. Ah. Ouais. Bah, le temps que Mathieu prend la douche, je pense, je vais emballer quelques lots. Et ensuite, je vais prendre mon linge. Je vais regarder si tout ce qui me reste là, c'est sec. Je suis pas sûre. Je vous pose, hop, à côté de ma princesse. Le pull est encore un petit peu, juste un petit peu humide à la capuche. J'ai mis mes épingles là-bas. Ça, je vais le monter tout de suite, le linge, parce qu'après, ça traîne et ça m'énerve. J'en ai marre du bordel, en fait, j'en ai marre que tout traîne. Donc là, je leur ai même dit tout à l'heure, j'ai dit le premier moment qu'ils me laissent un truc traîner, ça va aller mal. Parce qu'en fait, tu veux prendre ça, c'est quoi? Ah, et ça coûte combien, ça? 9 euros. Ah bah, tu peux. Et prends pas tous des trucs comme ça, sinon après, t'en auras plus, chérie. Maman, c'est juste pour un seul affaire et c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais pas, je suis juste de l'autre côté parce que en fait mes épingles elles sont là. Coucou. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait tout le tour. Je peux passer là. Ça c'est le pull à Camille. Ouais, je leur ai dit tout à l'heure, j'ai dit faut arrêter de laisser traîner, j'en ai marre de passer derrière tout le monde parce que si tout le monde y rangeait ses affaires, ben j'aurai moins de choses à faire en fait. Donc ça serait beaucoup plus simple pour moi. Beaucoup plus simple. Bon, Alexis, il a son pantalon de survêt. C'est lequel, celui-là? Ah, c'est le nouveau. Il va peut-être mettre celui-là demain, dans ces cas-là. Comme ça, il lui manquerait juste une veste. Il a des vestes. Il a préparé ses affaires. Il a même pas fait son sac, je crois, pour demain. Il a pas préparé son sac. Oh, les voisins, ils rentrent seulement. On entend fort la porte. Ça va, ma princesse? Plus petite. Plus petite? Oui. C'est qui ça? C'est Alex. Hop. Bon, ça va faire du bien après le week-end en plus. Il n'y a pas de foot normalement. Oh, elle m'énerve cette barre. Je vous jure. Normalement, il n'y a pas de foot vendredi parce que je crois qu'ils n'ont pas de salle. Et il n'y a pas de foot samedi. Oh, ça va faire du bien, je vous jure. Bon, j'aime bien quand mon fils joue au foot et tout, mais franchement, un petit peu de repos, ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal. Rien faire, bah, rien faire. Il y aura toujours des choses à faire, mais je veux dire. On va courir un petit peu moins quand même, donc c'est cool. Quoi? J'ai dit, il n'y a pas de foot. Elle n'aura pas besoin de partir au foot parce qu'il n'y a pas de foot. Merci. Le maillot là, il l'adore, mais il devient un peu trop petit. Alexis, même qu'il est petit, s'il l'aime vraiment, il continue de le mettre. Ça, c'est à qui? Je suis en train de mélanger tout le linge, mais je ne vais plus savoir. Ombro, c'est à quelle taille ça? C'est à qui ça? Taille S. C'est à Camille. Je crois que c'est à Camille. Je pense que c'est à Camille. Je sais plus. Parce que Camille, elle aime bien mettre des shorts de foot, des maillots simples. Donc, Ah non, j'ai fait tomber mon épingle. Bon, là, il y a encore un autre pantalon à Alex. Je pense que je vais aller le voir avant qu'il dorme. Pour savoir ce qu'il veut mettre demain. Moi, ça sera prêt. Voilà. Je sais pas si... Et là, il y a son pantalon là qu'il adore aussi, mais le pull, il est pas. Je l'ai pas lavé en même temps, faut seulement que je le prenne là. Je l'avais pas lavé en même temps. C'est pas grave.
Voilà, il reste les vestes. Oh, une. La terre, elle est basse. Pourquoi il y a la vie de Dora? De Dora? Ouais, ah ouais, avec le sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Je sais plus où ici je vous ai montré, je crois. Je m'en vais plus. L'armoire à la porte, du coup. Hop. Je vais laisser mon âge là. Pour l'instant, donc je vous disais, oui, j'ai racheté des paniers comme ça. Il y a juste là qu'il y a des plantes. Sinon, il y a des paniers jusqu'en bas. Et au moins, j'ai pu ranger quand même pas mal de choses qui étaient dans la salle de bain. Et j'ai vidé aussi les boîtes avec les crayons, papier et tout. C'était les boîtes de céréales. Je vais essayer de garder le moins possible. Ah non, je les ai laissées quand même en bas, mais dans le panier. Et bon, là, il y a juste ça qui traîne. Mais c'est parce que c'est des bijoux et des montres qu'on a triés. Qu'on va donner, en fait. Il y a là, une montre comme ça, là, vous savez. Je ne sais plus comment on fait. On doit rester appuyé en le volant. Il y a la montre là. Il y a la montre là. Elle est belle aussi. À donner. Et j'ai aussi la montre. C'est Playboy. Elle est jolie aussi. Donc les trois montres là, je vais les donner. De toute façon, on ne met pas de montre. Oui, mon cœur. Oui, mais achète pas plein de trucs. Là, c'est un collier Love. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais t'en auras plus après de pièces. Hein. Il y a un collier comme ça. Un bracelet. Un petit truc comme ça. Là. Hein? Un collier coquillage. Des habits de lune, je sais pas. J'ai un bracelet comme ça. Pas voulu. Il y a quelques bijoux à donner, je verrai bien si ça intéresse quelqu'un ou pas. Demain, j'ai quelqu'un qui vient pour récupérer un lot, parce que je vous ai dit, je faisais les lots de Noël. Donc, il y a une dame qui vient demain récupérer déjà son lot. Il y a une amie, Cynthia, de toute façon, elle va peut-être passer par là. Je ne sais pas si elle regarde encore les vlogs en ce moment. Parce que... Mais elle voulait passer parce qu'elle a gagné... Quoi? Ah ben, achète-le. En fait, ça faisait déjà deux fois qu'elle venait parce qu'elle participe pas à tous les lots, mais à plusieurs lots parce que c'est des Winnie et elle aime beaucoup les Winnie l'ourson. Et là, en fait, elle en a regagné un et du coup, elle voulait passer. Mais je lui ai dit, tu sais, tu devras attendre un petit peu si tu regagnes d'autres lots parce que franchement, vu le prix du gasoil, on n'habite pas très loin, moi et Cynthia, mais je veux dire, il y a quand même un bout. Et à chaque fois, il faut qu'elle se déplace avec les deux petits. Puis ouais, puis ça coûte cher quoi le gasoil, donc je lui ai dit attends un peu, tu viendras vraiment récupérer plus tard. Donc elle a dit bah ça m'arrange, je dis bah t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. Et donc j'ai une autre dame du coup qui vient demain parce qu'elle a gagné aujourd'hui, et j'ai une autre dame ou un monsieur, je sais pas. Il y en a un qui est passé, un monsieur qui est passé hier pour le GPS que j'avais mis en don, et là demain c'est quelqu'un qui vient chercher demain après-midi, ouais. Pour la peluche c'est demain matin, et pour la déco d'aquarium c'est la personne, elle vient demain après-midi. J'allais dire il, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, elle finira par jouer avec sa pâte à modeler, hein. Elle aime bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué, mais entre deux je joue avec elle et on aime bien la pâte à modeler, donc c'est bien. Bon, je m'installe, du coup je sais pas si Kamel va vouloir venir le faire avec moi vu qu'elle joue à Minecraft. Je vais peut-être la laisser tranquille. Je vais préparer. Alors il me faut pour emballer une paire de ciseaux. Voilà. Il me faut ensuite du papier cadeau. D'ailleurs il faut que je vais à Action. À Lidl, acheter du papier cadeau parce qu'il est vraiment top de chez top. Le papier cadeau de Lidl, moi j'adore. Il est quand même bien épais et franchement il coûte pas cher et tout, il est trop bien. Là j'ai pas vu les prix, j'avais pas vu les papiers chez les prix, donc je sais pas s'il a augmenté ou pas. Mais il est trop bien et en principe j'en achète beaucoup de rouleaux d'avance. Et comme ça je suis tranquille un bon moment. Vous avez remarqué, je suis partie avec ma Babel ce soir. J'ai envie de parler. On voit que je suis un petit peu moins fatiguée. Et puis,
Elle me l'a mis ici, le scotch, le stylo, hop, le stylo il est là, le scotch il est là, et puis on va prendre les cadeaux des gens qu'il y a ici. Par contre c'est quoi ça? Attendez. Ah ben. Je suis désolée pour eux. Désolée pour le bruit. Donc j'ai tout ça emballé. Ça c'est fait. Ça je vais le mettre là. Je me suis racheté du scotch aussi parce que j'en ai encore pas mal, hein, mais bon, j'ai payé 75 centimes, je crois, les 5 euros. Donc au moins, c'est ça de prix. Allez, hop, je vous emmène et je vais vous laisser parce que je vais emballer. Stella, qu'est-ce que tu fais? Descends. Descends de là. Elle fait des bêtises. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais mettre une petite vidéo. Ce matin, comme d'habitude, hein, comme tous les matins, vous savez, je regarde Baby Pulpeuse. Là, je viens de regarder un Vlogmas de Double Lu. Il m'en reste encore un à regarder de Double U. Donc je suis contente parce que sa petite, elle est sortie de l'hôpital. Et franchement, c'est top. Parce que c'est vrai qu'avec en ce moment, toutes les bronchiolites et tout. Et la petite, apparemment, elle était vraiment pas bien. Donc je suis contente que la petite, elle est sortie de l'hôpital. C'est super. Et puis, ben, j'ai beaucoup de vidéos à regarder parce que c'était la descente. J'ai 3 vidéos, je crois, de Véro et Mamie à regarder. Et puis de Marie mon ange que j'ai pas regardé non plus. Joël, j'ai encore des vidéos je crois, enfin j'en ai plusieurs à regarder, j'ai même pas regardé tout. T-Rex Family, c'est pareil, j'ai pas tout regardé non plus. En fait j'ai pas le temps en ce moment de regarder des vidéos, donc voilà quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, hein. Quand j'aurai le temps je regarderai, je rattraperai tout. La dernière fois j'ai été malade, j'ai rattrapé. Bon, j'ai pas envie d'être malade pour rattraper, hein, clairement, mais je me promène avec ma liste partout. Ça, je... Ben, il l'a eu. Ça, Camille, elle l'a emballé. Ça, ça a été emballé. Ça, ça a été emballé. Ok. Oui, alors. Hop. Ça, c'est bon. Ici... Bon, c'était là aujourd'hui, elle a eu. Demain, il faut qu'on emballe parce que comme ça, encore un bonbon. Voilà, les chats, c'est tout, il est fait. Je suis arrivée au match. Ok. Camille, ça c'est fait du coup. Allez, bah Camille, j'ai fait. Non, il me reste que. Ouais, que les bonbons, sinon le reste, normalement, c'est emballé. Alexis, c'est déjà emballé pour demain. Emel, j'ai rien pour demain. De base. J'ai rien pour demain. Je verrai si j'ai le temps d'aller à Lidl. Parce que j'avais prévu un truc. Ouais, je parle à Lidl. J'ai fait prendre ça quand même. Et là, j'en ai qu'un en fait. Oh, il va m'en manquer quand même pas mal, j'ai dit. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Mais je sais plus quoi les prendre, moi, à force, parce que c'est compliqué. Bon, allez, je vous laisse. Moi, je vais faire de l'emballage et me mettre une vidéo de peut-être de Véro. Je vais voir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Et puis, ben, voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez parler en privé, de venir sur Facebook ou Insta. Ça me dérange pas du tout, au contraire, ça fait plaisir de parler avec vous en dehors de YouTube. Après voilà, j'aime bien avoir les commentaires et répondre, hein. Mais je veux dire voilà, si vous avez besoin de parler même en privé, vous pouvez compter sur moi. En principe je réponds très vite. Bon, il y a des fois je suis un peu plus longue à répondre parce que je suis occupée, mais bon, j'essaye toujours de répondre à tout le monde et le plus vite possible en fait. Bon, c'est vrai qu'après c'est pas... J'ai tout le temps mon téléphone sur moi et il sonne souvent mon téléphone. Même Christophe il dit bah, tu parles à qui encore?
Parce que là, je suis encore en train de parler avec, du coup, avec Cynthia et avec une autre Audrey. Mais bon, il s'est même foutu de moi, il a dit tu te parles tout seul. J'ai dit non, c'est pas moi. C'est une autre Audrey. C'est pas moi. Je me parle pas toute seule. Je suis pas folle à ce point, pas. Je suis pas folle à ce point. Voilà. Bon. Bref. Je voulais parler vite fait du commentaire méchant encore que j'ai eu. Deux commentaires méchants. Sur le retour de course. Mais je pense que j'en parlerai plus dans le prochain retour de course. Comme ça, si ces personnes-là repassent dans le retour de course, je leur laisserai un petit message. Parce que je pense pas qu'elles regardent les vlogs, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait longtemps. De quoi? Que t'étais pas venue m'emmerder? Bah ouais. Non, mais je filme pas, hein. Je parle toute seule, là. Ah, tu parles toute seule, là? Ouais, je te jure. Ah, ton papier cadeau. Mais je suis folle, bah oui. Ah, du coup... Je suis jolie, en fait. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eh, regarde pas la liste, toi. En plus, c'est toi. Quelle liste tu parles? En plus, c'est toi qui est là. Quoi, il y a quoi dans ton sac? Il triche. Mais je triche pas. Tu fais quoi? Tu prends une douche ou un bain? Je vais prendre une douche, mais putain, je posais ce doigt. J'ai dit, je vais faire ça le temps que... Oui, tu peux venir. Je vais faire ça le temps que je prends ta douche, comme ça après je prends mon linge et après je vais me coucher. D'accord. Bah, vas-y, tu peux le faire. Non, s'il te plaît, j'ai des chaussures. Ah. Et un pantalon. Et j'ai quelque chose en dessous de. Ah. Ouais, mais achète-toi que des vêtements, chérie. Après, quand tu voudras un autre jeu ou quoi, t'auras plus rien. Ah. Moi, je dis ça pour toi. Je te rappelle que moi, j'ai un caleçon. Elle a un short trop large. Ouais. Elle a que ça. Il y a une madame, elle a dit que tu dansais super bien. Ouais. Hein? Quand tu faisais ça, là. Vas-y, on refait. Eh ben, t'as vu, elle a dit que tu dansais super bien. Ouais. Que t'étais trop marrante et que tu dansais. Mais en plus, tu dansais bien. Pose ton couteau. Ton couteau, qu'est-ce que tu as? Pourquoi je mets ça quand? Oui. Voilà, voilà, vous entendez encore la l'énergie. Je sais pas pourquoi j'ai les dents en plus. Tu fais les conneries? Bah non. Mais t'es folle ou quoi? Si, tu lui as fait une drôle de tête, je t'ai vu. Moi, je faisais ça et du coup, il a fait une tête bizarre. Du coup, j'ai. Je l'ai vu sa tête. Bon, allez, du coup, je vous laisse pour ce vlog avant qu'ils s'énervent trop les deux. Hein. Trop les deux. Oh, là, je m'énerve pas, c'est pas vrai. Les deux fous. Il y en a encore une, elle a dit c'est dommage que tu ne fais pas moi montrer. Mais t'arrêtes. Pourquoi? Bah, je sais pas. Ils aiment bien t'entendre, donc ils voudraient peut-être te voir. Ça, c'est normal. Après, il y en a, ils ont déjà vu ta tête. Ah, bah, sûrement. S'ils vont déjà sur mon Insta, ils voient ta tête. Ouais, évite de donner des indices. Surtout que sur Insta, tes photos sont moches. Quoi? Elles sont moches de moi, c'est des photos en famille. Ah, bah, t'as qu'à faire des sourires. Et c'est vous venez dans ma chambre, vous prenez des photos. Ah, tu l'as vieille, celle-là. Oui, bah, ouais. Bah, de toute façon, la dernière, c'est celle qu'on a fait ici, là, avec les cadeaux. Moi, j'adore les photos. T'avais une coupe bizarre. Bah ouais. C'est vrai que t'avais normal, une coupe bizarre. C'est toi qui me coupe les cheveux. Non, là t'es mieux. Oui, bah c'est normal, c'est toi qui me coupe les cheveux. Bah ouais, là t'es mieux. Dans les deux cas, c'était toi. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Encore bon week-end. De base. Mon qui? Numéro, c'est le 06 93 60. T'entends? Déjà, ses cheveux, ils sont super déjà, bien. Déjà, il est déjà bien de base. Je sais. Alors, il n'y a pas besoin de les couper. Ouais, mais des fois, quand ils sont trop longs, ses cheveux, faut pas abuser. Ouais, bref, imagine, moi, je imagine il a des cheveux comme toi. Imagine qu'il en ait un moins que ses cheveux. Ah bah oui. Si j'arrive que je me change droit. Ça sera bleu. Il va mettre. Sinon il faut que je les mette comme ça. Il va mettre un. Il va vraiment falloir qu'on voit quand même pour tes lunettes, ah ouais. Il va mettre. Ça fait 40. Ça me gêne pas. Attends, ça fait quoi 3 semaines? T'as eu rendez-vous? Moi. 3 semaines. Maman. Non. Maman. T'es ma boule toi. Maman. T'as eu rendez-vous il y a au moins un mois et demi. Ça c'est plus. Bah oui. Hein. Bah oui, ouais. Maman. Bah c'est vrai, ah oui. En plus ça. Ouais, maman. Bah ouais, mais tu t'as pas le temps. Maman. Parce qu'on a été avant ton anniversaire. Ça fait demain. Ouais, demain on est le 9. Donc demain ça fera déjà un mois que t'as eu 18 ans. On a été largement avant. T'as vu? 18 ans et un mois demain. Mais t'arrêtes de rigoler comme ça. Demain j'aurais loupé une paye. Ouais, voilà, un salaire en moins. Allez, bam, 1000 dos dans le vide. Et voilà.
Quoi? Non, il aura plus de. Il aura un œil à moi, il va mettre un bouton mieux, il va être bleu. Eh, par contre, quand on monte faire dodo. Tu t'étais. Ouais, tu fais pas la guignole comme ça. Hein. Parce que papa il va faire deux. Oula là, la foudre que tu vas prendre dans les commentaires. T'as traité de guignol ta fille. Mais alors. Alors qu'elle s'est comptée jusqu'à 3 en anglais. C'est un clown. Ouais, là elle est venue, elle a dit. Elle tu sais quoi maths. Quoi? Dis-lui ce que ça veut dire, il sait pas. Si, je sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'aime. Pourquoi tu sors vivant? I love you, Matt. Papa il lui a répondu, tu vas savoir mieux parler en anglais qu'en français. Ah, mais ça c'est sûr. Ah, peut-être même en espagnol, hein, parce que... On va parler toutes les langues. Je vais parler espagnol. Bon, allez, je vous laisse parce que là, j'ai fait une demi-heure. L'espagnol. À demain. L'espagnol.